Salut, c'est Megadriver 16 sur le jeu Tour de France 2017. En ce dimanche 23 juillet, c'est la fin, c'est l'aboutissement de la grande boucle, les 3 semaines de tour dans la réalité et dans ce concept que je vous propose de Tour de France en temps réel avec la FDJ de Thibaut Pinot et de Feu Arnaud Démare. Je dis Feu Arnaud Démare puisqu'on le voit, il est en rouge, il n'aura pas pu boucler ce tour tout comme Tchimolaï est roux à cause d'un hors-délai. Qu'on a subi, je sais plus d'ailleurs si c'était à, je crois que c'était à Chambéry, hein, il me semble bien, ou à l'étape de Foix, mais plus probablement Chambéry. Bref, on est là pour la dernière étape, mais même si on a 3 coureurs en moins, parmi les 6 restants, il y a quand même du beau monde et surtout Thibaut Pinot, le maillot jaune de ce Tour de France, si ça se passe bien sur cette dernière étape à Paris, Champs-Élysées. On gagnera ce Tour de France. Gaudu, notre jeune grimpeur qui a le maillot à poids. Vichot, notre puncher, ex-champion de France, qui a le prix de la combativité. Et bon, Arnaud Démare qui avait quand même remporté 4 victoires d'étape, qui se dirigeait tout droit vers un maillot vert sans trop de problèmes avant de subir le hors-délai. On va regarder tout de suite le briefing de cette étape champagne. Bonjour à tous, c'est la dernière étape les gars. L'essentiel à retenir aujourd'hui, c'est que le parcours est plat et qu'il ne comporte pas de pièges particuliers. Une arrivée au sprint massif est plus que probable. Tout d'abord, je tiens à vous féliciter. On ne voit pas comment on peut perdre le maillot maintenant. Bravo à vous. Pour aujourd'hui, on n'a pas les moyens de se mêler à l'emballage final. Si on veut se montrer, il va falloir prendre l'échappée matinale. Bonne étape. Et oui, on a eu des félicitations peut-être un petit peu anticipées de notre directeur sportif qui nous dit félicitations pour le maillot jaune en particulier et qui pense qu'on ne pourra pas le perdre aujourd'hui. J'espère bien qu'il a raison, qu'il ait raison. Et on va regarder un petit peu les états de forme pour cette étape entre Montgeron et Paris-Champs-Élysées. Ah, les états de forme ne sont pas en faveur de Vichot et Pinot. Bon. Ben, ça va peut-être influer notre stratégie pour cette dernière étape. Et ce qu'il y a de marrant dans le jeu, c'est que dans la phase de chargement où il nous montre, il identifie les favoris que le jeu nous désigne, en tout cas pour les étapes. Et bien là, il a mis Kittel, Greipel et Sagan. Et dans mes souvenirs, il n'y a que Sagan qui est encore présent sur ce tour. Pour moi, Kittel et Greipel se sont fait mettre hors délai. En tout cas, Kittel, j'en suis quasiment sûr. Et Greipel quasiment aussi, bon, je sais pas trop. En tout cas, si je pouvais avoir les velléités d'essayer de prendre le maillot vert avec Pinot, ça paraît délicat, puisque Peter Sagan, lui, est à 271 points, il y a 30 points d'écart. Ça risque d'être très très chaud pour espérer lui prendre ce maillot vert, en plus en n'étant pas du tout sprinter. On a Reifenbach hein, qui est pas mal. 69 en plat. Jérémy Roy, il est bien aussi. Alors en plat, on a Morabito aussi, hein, qui est pas mal. Avec un 74, c'est même mieux que Reichenbach. Et je pourrais quand même tenter d'en envoyer un. En échappé. En sprint, c'est Vichot quand même hein, qui tient le meule-à-corde chez nous. Et Morabito, son 74 en plat me plaît bien. Allez, on tente. J'ai pas d'état de forme au-dessus de la moyenne. Ainsi, j'ai Reichenbach quand même. Il a que 69 en plat. Alors, j'hésite entre Morabito, Roy et Vichot. Et. Bon, Roy, il s'est déjà imposé. Vichot aussi. Peut-être Morabito peut tenter d'échapper. Mesdames, messieurs, bonjour. La dernière étape sur les Champs-Élysées est toujours l'une des plus convoitées. Dans le passé, des sprinteurs qui courent après le prestige d'une victoire à Paris se sont parfois laissés surprendre. Mais ça ne s'est pas produit très souvent. Et avec les spécialistes qui dominent actuellement l'exercice, le défi s'annonce encore plus relevé. Allez, on profite des maillots distinctifs, on les voit un petit peu sur notre gauche. Il y en a deux chez nous, c'est Gaudu pour le maillot à bois et Thibaut Pinot pour le maillot jaune. On les voit, c'est décontracté en ce début d'étape, mais ça ne va pas durer très longtemps. Alors... Est-ce qu'on peut s'incruster avec Morabito? Est-ce qu'il va avoir un bon de sortie? La tour Eiffel toujours en arrière-plan. Le long des quais de la Seine. Allez, allez, allez.
faudrait nous laisser une ouverture, mais j'ai l'impression que ça va débouler avant que nous-mêmes nous puissions faire quelque chose. Non, c'est bon, on va pouvoir lancer la première échappée de cette dernière étape sur les Champs-Élysées. Ah, on est accompagné. Il y a forcément des coureurs qui sont intéressés par la victoire tellement prestigieuse de clôture du Tour de France qui se fait sur les Champs-Élysées. Terrain de jeu tellement connu à travers le monde. Morabito avec Hervitti, avec Gastower, avec Robert Resnik. Nous, il va falloir, tiens, et puis il y a trois autres coureurs qui ont envie de rentrer. Vauclair, Poels et Arashiro. Est-ce que nous, on pourrait demander... Alors, Reichenbach est bien... qui est en bon état de forme, il va protéger Pinot. Ça me semble pas mal. Alors, je peux pas trop me permettre de relancer parce que j'ai plus de rouge avec Morabito. Et le peloton qui laisse pas vraiment partir, hein, clairement. Qu'est-ce qu'ils font mes compagnons d'échappée? Ils veulent plus rouler ou quoi? Un sprint intermédiaire. Qu'est-ce qu'ils font? Au deuxième passage sur la ligne. Dans place de la Concorde. C'est marrant, j'avais pas remarqué qu'ils nous mettaient tous les petits lieux là qu'on traversait, Champs-Élysées, voilà. La flamme rouge, premier passage sous la flamme rouge. Et ils ont coupé leur effort derrière. Très très surprenant quand même. Les coureurs auront 4 tours de circuit à effectuer. Tentative de contre-attaque. Ah, il y a quand même une tentative de contre-attaque, en effet, par un seul coureur. Premier tour autour de l'Arc de Triomphe. En effet, c'est le premier tour autour de l'Arc de Triomphe. Et là, ça y est, on va peut-être passer au-dessus de la minute avec Morabito. Et Michael Matthews, forcément, un des derniers sprinteurs en lice, qui ne s'est pas encore imposé sur ce tour fictif, alors que dans la réalité, on le sait, il s'est imposé. Il a marqué ce Tour de France dans la réalité, et un petit peu moins dans mon tour fictif, en effet. Hansen qui attaque aussi. Le peloton à une minute. Le circuit contourne le jardin des Tuileries en empruntant le tunnel. Les coureurs ressortiront rue de Rivoli et reviendront vers la ligne d'arrivée. T'es à 5 km du sprint intermédiaire. Ouais, bon, là on est en train un petit peu de s'épuiser. On va peut-être aller voir du côté de Thibaut Pinot qui est protégé par Reichenbach. Si on demandait à Gaudu de se mettre un peu au service de Vichot. Ça pourrait le faire. En plus, Vichot, il n'est pas trop... il est en pas trop grand état de forme. Ça veut rien dire ce que je dis, mais bon. Je me suis compris. Il est en mauvais état de forme. Voilà, c'est plus simple à dire comme ça. Alors, l'échappée. 43 secondes. Morabito, il n'a plus rien. Morabito, est-ce que c'est le moment, ouais, peut-être de lui donner du bleu. Allez, mon gars, tu prends ton bleu. Alors, j'ai pas vu si Sagan il s'était posté aux avant-postes là pour marquer des points au sprint intermédiaire. C'est bien d'avoir placé du monde dans l'échappée. On n'a pas besoin d'assurer le tempo. Ouais, Morabito, il a mal quand même là. Il est avec qui? Il est avec la Mertink, ou la Mertink, je sais pas encore comment on prononce. 32 secondes devant. L'échappée perd du terrain. Et ouais, Morabito là il s'est fait décramponner. À 23 km de l'arrivée. On peut se mettre dans les roues du champion d'Allemagne. Ça y est, Morabito, on l'a vu passer, il n'en peut plus. Il y en a un autre qu'on récupère ici.
c'est Hansen, et devant il ne restera plus que la Mertink qui va être mangée hein, a priori lui aussi. Thibaut Pinot qui court à l'avant. Ah ben voilà, il n'en peut plus. Le dernier échappé. C'est fini pour lui. Fin de l'échappée. Tout reste à faire. Et oui, tout reste à faire. Hein. N'oublions pas qu'on a le droit qu'à un seul ravitaillement hein, sur l'étape des Champs-Élysées. Elle est courte. C'est le même cas de figure d'ailleurs que sur l'étape numéro 13 entre Saint-Giron et Foix qui ne fait que 100 km. Donc il n'y avait pas de zone de ravitaillement. Donc un seul ravitaillement. Une seule dose de ravitaillement à utiliser puisqu'on a toujours à la fois le bleu et le rouge. Là ça roule. Alors ça roule pour Degenkolb sûrement parce que je vois De Cort, Burgaard. Il n'y a plus d'échappée là, pour le coup. Le peloton, les 147 coureurs, les 147 survivants de ce Tour de France sont là. Thibaut Pinot, il est pas mal. Là, on va lui faire prendre son ravitaillement de bleu. 15 km de l'arrivée. Oh, 15 km de l'arrivée. Moi, je dis qu'il y a quelque chose à faire. Qu'il y a quelque chose à faire. Alors, tout le monde... Non, Fichot, il va pas le prendre. Reichenbach, Morabito. Mais Morabito, il a déjà pris Gaudu. Jérémy Roy. Jérémy Roy, il est peut-être mieux, d'ailleurs, que Fichot, hein, finalement, parce que là, ça pourrait être du plat sur lequel ça pourrait se jouer. Fichot, il en a déjà claqué une, et puis il est en mauvais état de forme. Bon, en accélération, il n'y a pas photo. Fichot, il est meilleur, mais bon. Je vais le faire prendre... à tous ces coureurs, leur ravitaillement, et on va prendre la main avec Roy. Je sais pas s'il est bien placé ou pas à 15 km de l'arrivée. Oui, il est pas mal. Allez, il tente quelque chose, Jérémy Roy, mais il n'a pas une énorme accélération, donc ça se ressent. Ben, on lui fait quand même faire une attaque. Est-ce que ça va tergiverser, se regarder un petit peu derrière à 13 km de l'arrivée? Jérémy Roy est un très bon rouleur. Un équipier vient de se faire lâcher. Ne comptez plus sur lui. Ah, Morabito, il en pouvait plus, c'est normal. Alors on a le peloton qui est à 10 secondes hein, derrière, donc ils sont loin d'avoir lâché quoi que ce soit. Le peloton n'est vraiment pas très loin derrière. Ah, ils reviennent même pas très loin du tout. Hein. Dix kilomètres de l'arrivée, ils n'ont pas tout à fait bougé, il reste 6 secondes. Là, je me dis, bon, on a fait une première salve qui ne fonctionnera probablement pas avec Jérémy Roy. Mais est-ce qu'on pourrait pas avoir une deuxième chance avec Fichot? Il est où Fichot? Il est là. Il est protégé. Non, il protège quelqu'un. Autant demander à quelqu'un d'autre de le faire hein, pour protéger Pinot. On va prendre Reichenbach qui est en bon état de forme. Protéger Pinot, bien évidemment, dans les derniers hectomètres, dans les derniers kilomètres, hein, tout simplement, de cette étape. Et demander à Roy d'attendre à présent Thibaut Pinot. Ça me semble pas mal. Maintenant, c'est qu'il faut réussir à se replacer et c'est pas évident. Regroupement général, tout va donc se jouer dans le final. Alors, regroupement général, lui, il a bien eu lieu. Fichot, il va vérifier si jamais à un moment ça se regarde pas un petit peu du côté des favoris. 6 km de l'arrivée. Allez, on place une attaque, on sait jamais. Essayer de décramponner un petit peu tout ça avec le punch qu'on connaît de Fichot. On prend le ravito, 8 secondes. 7 secondes. Allez, on relance encore un petit coup. Elle continue de résister au peloton, mais ce sera compliqué. Il faudrait vraiment un véritable exploit.
quoi? Le temps groupé. Ah merde, ils sont revenus. Ah oui, ils sont revenus. La tension est à son maximum. Les poissons pilotes vont bientôt s'écarter pour laisser la place à leur sprinter. Ils s'écartent vraiment ou pas là? Qu'est-ce qui se passe? L'échappée fait de la résistance. C'est tendu. Derrière, les équipes de sprinters sont en train de lancer le sprint final. Bon, alors, pour le coup, Thibaut Pinot, il a peut-être un bon petit sprint à jouer. Le maillot vert de Peter Sagan, on le voit ici. Allez, c'est Thibaut Pinot qui va finir le travail sur les champs. Ouh, ça revient de l'arrière, là. Ça revient bien de l'arrière. Et voilà, on termine comme on avait commencé avec Thibaut Pinot, ce Tour de France, les deux attaques successives, tentatives, hein, avec Jérémy Roy et Vichot, mais même Morabito, au tout début d'étape, n'ont pas fonctionné, c'était prévisible. Mais bon, l'essentiel est ailleurs, et il est tout de suite d'ailleurs avec les podiums de ce Tour de France. Cette étape est pour lui, il a été le plus fort. Voici le vainqueur de l'étape des Champs-Élysées, John Degenkolb. Bravo à lui, il a réussi à manœuvrer parfaitement pour aller chercher cette victoire. Il peut savourer cet instant. Au cours de ces 3 semaines de course, il a su déjouer tous les pièges du parcours tout en maîtrisant ses rivaux. Voici le grand vainqueur de ce Tour de France, Thibaut Pinot. Il peut enfin savourer cette grande victoire aujourd'hui. On l'applaudit bien fort, il rentre dans l'histoire du cyclisme. Et oui, régulier tout au long de ce tour, il a réussi à marquer suffisamment de points pour dominer ses adversaires. Voici le meilleur sprinter de cette année, Peter Sagan. Vous pouvez le féliciter, c'est amplement mérité. Toujours présent aux avant-postes, on peut dire qu'il a marqué la course de son empreinte et que ce maillot à pois n'est qu'une juste récompense de tous les efforts qu'il a fournis. Nous accueillons maintenant le meilleur grimpeur de cette édition. Goudi. Allez, on l'applaudit bien fort. Avec ce maillot sur les épaules, nul doute que nous devrions le voir jouer les premiers rôles pendant quelques années encore. Veuillez accueillir chaleureusement le maillot blanc de ce tour. La tour. Applaudissez-le comme il le mérite. Bon, on n'avait pas vraiment d'ambition pour le classement de cette étape. Le moins qu'on puisse dire, c'est que vous m'avez pas fait mentir. Alors, sur cette étape d'ailleurs, la dernière des Champs-Élysées, Sagan s'est bien battu pour préserver son maillot vert, malgré le fait qu'il n'ait pas réussi à s'imposer sur les champs. C'est John Degenkolb qui remporte la mise sur les Champs-Élysées, devant donc Sagan, le champion du monde, qui préserve son maillot vert, Ben Swift, Caruso, et ensuite, effectivement, on voit bien qu'il n'y avait pas d'autres sprinteurs quand il m'avait indiqué Gray Bell et Kittel, c'était une erreur. Parce qu'ils ne sont plus présents sur le Tour de France. Thibaut Pinot qui échoue dans le top 10 pour une petite place sur cette arrivée sur les Champs-Élysées. Mais ça, c'était pas bien grave. On a profité ensuite des podiums. Le classement final de ce Tour de France avec donc une prédominance quand même des Français qui ont bien réussi, tout comme dans le Tour, dans la réalité, hein, de toute façon. Puisque là, dans le jeu, on retrouvait donc Thibaut Pinot en jaune, Gaudu en maillot à pois et Pierre Latour en maillot blanc. Ça fait quand même pas mal de Français pour des maillots distinctifs. Et si on fait un petit récapitulatif donc des étapes de ce Tour de France en temps réel, je crois bien que j'ai un chiffre tout rond, ça doit être 10. Et on peut regarder, c'est Tyler Finney qui s'est imposé sur la première, démarre, ça c'était pour notre première victoire d'étape, il s'était imposé dès la deuxième étape à Liège. On avait Valverde qui s'était imposé à Longwy devant Contador et une belle troisième place de Pinot.
démarre une deuxième victoire pour la FDJ. C'était lors de la quatrième étape. Tout comme dans la réalité d'ailleurs, c'était à Vittel, hein, il me semble. Pinot qui s'était imposé pour la troisième victoire de la FDJ et sa première à lui, eh bien la planche des belles filles devant Contador et Rigoberto Urán. Cavendish devant Démare sur la sixième étape. Démare pour sa troisième victoire d'étape devant Cavendish. Les places étaient toutes interverties, complètement interverties entre Démare et Cavendish sur cette cinquième et sixième étape. Alberto Contador devant Froome, devant Quintana, devant Urán, devant Pinot pour la huitième étape de ce Tour de France. Ensuite, Thibaut Pinot pour sa deuxième victoire d'étape, c'était sur l'étape numéro 9 à Chambéry, non, la 9 je crois. Roy pour une autre victoire de la FDJ, donc 3 et 2, 5 et 6, c'était la sixième victoire d'étape, devant un doublé français d'ailleurs, Arnaud Démare, qui réglait le sprint du peloton sur cette dixième étape. Donc, ce qui veut dire qu'il ne s'est pas fait éliminer à Chambéry. Oui, il a dû se faire éliminer à Foix, Arnaud Démare, pour le redélé, contrairement à ce que j'ai pu dire précédemment. Démare pour sa quatrième et ultime victoire d'étape, la septième pour la FDJ. Froome, qui s'était imposé devant Contador et Pinot à Peyragudes, hein, alors qu'on sait les déboires de Froome à cette étape de Peyragudes. Pinot donc pour la huitième victoire d'étape. C'était donc à Foix, là où on a eu l'élimination par hors délai de trois coureurs de la FDJ, dont Arnaud Démare. Dan Martin sur l'étape 14 à Rodez, juste devant Pinot. Pinot pour la neuvième victoire d'étape, il me semble, devant Alberto Contador et Froome. Ça, c'était sur l'étape numéro 15, alors l'étape numéro 15, ben je sais plus, tiens, c'était la, aussi je, mais j'ai plus le nom en tête. Sagan qui s'était imposé quand même devant Matthews sur l'étape numéro 16, Mathias Franck à la 17 devant Talensky, Roland et Pinot. Ça c'était Serge Chevalier. Tony Martin qui s'est imposé à l'Izoard, Pinot 7ème qui avait un excellent état de forme et qui a réussi à bien résister aux favoris, même s'il n'a pas pu prendre du temps sur eux, sur les principaux que sont Froome, Contador, Bardet, etc. Vichot donc pour la 10ème, dernière victoire d'étape de la FDJ sur ce Tour de France. C'était à Salon de Provence donc, en bluff, tout en bluff hein, d'ailleurs, au nez à la barbe du peloton. Et des échappés. Tony Martin qui s'était imposé devant Kiryenka et un très beau podium quand même sur le contre-la-montre individuel de Marseille. Podium, 3ème place pour Thibaut Pinot. Et donc on vient de la vivre ensemble, la 21ème, la dernière étape pour la victoire de Degenkolb devant Sagan et devant Ben Swift. Voilà pour le tour d'horizon des différentes étapes de ce Tour de France. C'est bien 10 victoires d'étape qu'auront remporté la FDJ sur ce tour, 4 pour Arnaud Démare, 4 pour Thibaut Pinot, une pour Jérémy Roy et une pour Arthur Vichot. Maintenant on peut se diriger sur le classement général qui n'a pas dû bouger, effectivement Pinot qui s'impose, une 24 devant Froome et Contador, et ça me rassure un petit peu sur le jeu puisque c'est mon deuxième tour et ça s'est mieux géré que le premier avec Chavez où je découvrais ce parcours et des changements de gameplay éventuels. Et effectivement avec Chavez j'avais été déçu d'une simplement 6ème place alors qu'il est grimpeur or, et bon, Pinot il est que grimpeur argent, mais ça s'est quand même mieux goupillé, j'ai mieux géré sûrement les moments les plus critiques, peut-être plus de chance aussi au niveau des états de forme. En tout cas, je suis un peu plus rassuré après la déception que j'avais eue lors de mon premier Tour de France avec Esteban Chavez, parce que là, on réussit à s'imposer avec Thibaut Pinot. Ça fait plaisir, un beau top 10, hein, que des cadors. Si on va au-delà du podium, on a Richie Porte, Bardet, Quintana, Haru, Chavez, Urán, Dan Martin. Si on pousse un peu plus loin, encore des grands noms, puisque Pokémonema, Alejandro Valverde, Yonis Aguirre, Henao, Jakob Fuglsang, Kreuziger, Landa, Pantano, Latour et Nieve qui terminent ce top 20. Si on regarde au niveau du maillot à poids, on a vu beau doublé de la FDJ avec Gaudu en tête devant Thibaut Pinot, devant Contador.
le maillot vert qui était promis sans l'histoire du hors-délai à Arnaud Démare, et bien non. Finalement, l'élimination de beaucoup de sprinteurs, hein, c'est même limite un petit peu trop, même si on sait que dans la réalité, finalement, eh bien, Arnaud Démare a été hors-délai, abandon sur chute, enfin, quelques temps après la chute de Kittel. Donc, il y a eu de la casse aussi, hein, forcément, mais on termine le tour à 147 coureurs, dont une majeure partie de la majorité des sprinteurs qui se sont fait éliminer par hors-délai. C'est peut-être un petit peu trop quand même dans le jeu. Mais bon, Sagan qui s'impose, on ne sera pas surpris, hein, vu que dans le jeu, il n'a pas fait le coup de coude qui l'a fait exclure. Il réussit à prendre ce maillot vert, mais surtout grâce à l'exclusion des autres sprinteurs. Et devant Thibaut Pinot, qui fait une très belle deuxième place, tout comme pour le maillot à poids, dans ce classement distinctif du maillot vert. Le maillot blanc, Latour, devant Mientes, devant Simon Yates et devant Godu, notre jeune porteur du maillot à poids. L'équipe, c'est la Sky devant la Trek et devant la FDJ, qui fait un beau podium à ce classement par équipe. Et enfin, la combativité, on a vu, on a encore un doublé avec la victoire de Vichot pour le plus combatif de ce Tour de France devant Godu, qui a dû faire des échappées, bien évidemment, pour ramener ce maillot à poids et l'éternel Thomas Vauclair pour son dernier tour qui prend cette troisième place. À la combativité de ce Tour de France en temps réel. Voilà pour ce concept qui nous aura tenu 3 semaines, tout comme le vrai Tour de France de cette édition 2017, un concept que je vous propose depuis plusieurs années à présent avec la FDJ à chaque fois. J'espère que vous aurez pris du plaisir à le regarder. Moi, c'est toujours aussi sympa dans cette période excitante qui est le Tour de France pour tous ceux qui aiment le cyclisme, et bien de faire ce genre de concept, surtout quand c'est couronné de succès comme ici, avec le récapitulatif de tout ce qu'on vient de dire et les 10 victoires d'étape entre autres. Donc voilà pour la fin. Moi maintenant je pars en vacances, d'ailleurs au moment que je vous parle je suis déjà sur la route pour 3 semaines de vacances, et c'est pour ça d'ailleurs que je ne peux pas vous débriefer les résultats du vrai Tour de France, puisque je filme cette vidéo avant qu'il ne soit vraiment fini ce Tour de France, donc je ne peux pas vous commenter. Et pour les 3 semaines à venir, je ne pourrai pas faire de vidéo en direct, mais ça ne change pas grand chose, parce que j'ai pour habitude d'en faire d'avance, et j'en ai quelques-unes d'avance sur le Tour de France et sur d'autres jeux. Donc vous aurez le droit à des vidéos, même si par contre il ne faudra pas s'attendre à ce que je puisse y répondre au niveau des commentaires. Généralement j'essaye de répondre assez rapidement parce que je les regarde régulièrement. Là pour le coup, pendant ces 3 semaines de vacances bien méritées, après une année de travail, etc., je vous passe les détails, mais aussi après ce concept qui nous a tenu en haleine jusqu'à présent, cette fin de Tour de France, eh bien je ne pourrais pas être aussi réactif que je peux l'être d'habitude au niveau des commentaires que vous ferez sur mes vidéos. J'en mettrai peut-être pas une par jour et certainement pas une de cyclisme par jour, mais vous aurez quand même du jeu Tour de France 2017 avec qu'est-ce que j'ai prévu, le début de mon Pro Team, hein, que j'attendais de faire j'attendais le premier patch sur Xbox pour le commencer. J'ai fait un autre circuit des grimpeurs avec en mode concurrence outsider, c'est un concept que j'aime bien, que je vous avais déjà proposé avec la Cannondale sur ce jeu Tour de France 2017, et que je vous avais proposé avec d'autres équipes aussi sur le jeu Tour de France 2016. Et bien là, j'ai un petit circuit des grimpeurs à vous proposer. Je vous laisse découvrir avec qui, quel coureur j'ai pris pour le faire. J'ai un petit concept l'international avec Peter Sagan quand même, grand absent de sa faute, hein, d'ailleurs, mais par sa faute, mais grand absent de ce Tour de France malheureusement, donc un international qui tiendra en une vidéo avec Peter Sagan. Et donc voilà, entre le Pro Team, ce circuit des grimpeurs, et cet international avec Peter Sagan, vous aurez des vidéos du jeu Tour de France, et moi je vous dis rendez-vous plus tard pour la suite de nos aventures en jeux vidéo, et plus particulièrement sur le jeu Tour de France. À plus tard.